arrêter la cérémonie. Arrêtez la cérémonie. Poussez-vous de mon chemin. Dégagez. Dégagez. C'est moi qui dois enterrer mon mari. Arrêtez la cérémonie. Je veux m'en occuper. C'est à moi d'enterrer mon mari, c'est clair? Emilia, ça suffit. Dégage d'ici, toi. Non, ne fais pas d'histoire. Dégage. Il me semble que c'est moi sa femme, alors c'est à moi de l'enterrer, ok? Allez-vous-en. Dégagez. Maman, de là. Maman, qu'est-ce qui te prend? Respecte un peu papa. Comment oses-tu contredire ta propre mère, hein? Tu t'es encore cogné la tête? Tu veux que je leur dise la vérité sur toi, c'est ça, hein? C'est ça. C'est Emilia, ça que tu veux? Arrête tout de suite. Et pourquoi, papa? Ça va encore être de ma faute? Pourquoi tu vas me virer des funérailles de mon propre mari, c'est ça? C'est le bâtard de fils de mon mari qui devrait partir et pas moi, hein? Et toi? Toi, tu as osé tuer ma mère. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu voulais juste être sa maîtresse. C'est vous qui devriez partir, allez! Fichez le camp d'ici! Non, ne nous fais pas porter le chapeau pour ce que vous avez fait, Emilia. Parce que j'ai très bien vu que c'est vous qui avez assassiné Raoul. Non, je ne l'ai pas tué. Parce que j'aimais mon mari, vous entendez? Alors maintenant, partez! Allez-vous-en, j'ai dit! Ne t'avise surtout pas de toucher à ma mère. C'est pas nous qui avons tué Raoul, ok? C'est toi! Va te faire voir, sale garce! Alors si tu tiens absolument à enterrer ton mari? Très bien! Vas-y et repose en paix, toi aussi! Faites-moi sortir d'ici! Allons-nous-en, maman. On y va! Excusez-nous. Pardon! Je te l'ai déjà dit pourtant. Arrête de déclencher des guerres que tu ne peux pas gagner. Regarde-toi un peu. Vous, aidez-la. Allez. Faites-la sortir. Mais vite. Attends. Alors, hein? Tu n'es qu'une idiote. Tu es stupide. Tu sais quoi? Je n'ai même plus assez d'adjectifs pour arriver à décrire à quel point tu es bête. Sauf que je suis pas stupide, je suis intelligente. Attrapez-la et tenez-la, attrapez-la. Lâchez-moi, mais... Tu te crois intelligente, tu te crois intelligente, hein? Et c'était quoi, ça, hein? Tu viens de t'humilier devant tous les invités au complet et t'es tombé dans ce trou. À cause de tes conneries, tu n'es même pas capable de te défendre. Et puis, c'est partout par-dessus le marché. Tu as failli exposer Arnaldo. Hein? Tu as failli révéler son petit jeu. Tu sais ce que Lily Crew serait capable de lui faire si elle découvrait qu'en fait, c'est un espion, hein? Tu pourrais bien avoir à enterrer ton propre fils avec tes bêtises. C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux pour Arnaldo? Grand-père, je crois que maman n'a plus les idées claires. On ferait mieux d'y aller avant que Lily nous voie. C'est vrai. Bon, allez, tenez-la bien. Tenez-la bien, mettez-la dans la voiture. Allez. Dans la voiture, allez. Faites vite. Vas-y. File. Je te déteste. Papa, pourquoi tu m'as amené ici? Tenez-la bien, s'il vous plaît. Attends, papa, je suis pas censée être là. Arrêtez, lâchez-moi maintenant. Arrêtez, lâchez-moi tout de suite. Attendez, pourquoi tu m'as amené ici? Quand maman va apprendre ce que tu as fait, elle va être furieuse, elle va te découper en morceaux, je te préviens. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous, Emilia. Ta folie singulière commence à nous poser de vrais problèmes. Comment tu peux me faire ça, papa? Laissez-moi. Emmenez-la. Lâchez-moi, j'ai dit. Emmenez-la à l'intérieur. Lâchez-moi. Allez-y. Ah! Laissez-moi! Laissez-moi partir! Arrêtez! Vous allez le regretter, je peux vous le jurer! Lâchez-moi, je vous ai dit! Et vous aussi! Ah, papa! Papa, tu peux pas me faire ça! Je mérite pas d'être là! Maman, je t'en supplie, fais quelque chose! Tu as vu ce que papa est en train de me faire? Maman, je t'en prie! Raoul? Raoul, est-ce que tu peux... Raoul, reste pas planté là. Fais quelque chose.
maman? Pourquoi je suis ici? Je mérite pas d'être ici, hein? Allez, maman! Raoul? Raoul, je t'en prie. Je t'en prie, Raoul. Regarde ce qu'a fait papa! Il s'en est pris à moi encore une fois! Grand-père, est-ce que ça va? Ça va, ça va. Arnaldo, écoute-moi attentivement. On ne peut plus compter sur ta mère désormais, tu comprends? Il n'y a plus que nous deux. Et c'est à nous de retrouver l'honneur et la fierté que notre famille a perdu. Ok, mais alors comment on va s'y prendre pour faire ça? On a déjà perdu gros depuis que le kidnapping s'est transformé en fiasco. Oublie le kidnapping. Le plus important, c'est qu'on va pouvoir reprendre les rênes du syndicat du Dragon Rouge. Et il s'agit là de notre seul et unique moyen de récupérer notre pouvoir. Et on va d'abord s'occuper de rassembler des hommes, et puis des armes, et plus d'argent, plus de protection qu'il ne nous en faut, grâce au syndicat de ta grand-mère. C'est exactement ce qu'il nous faut maintenant. Ok. Je te suis. Mais tu dois me promettre une chose, grand-père. Lily Cruz est à moi. Elle sera mon esclave et je veux qu'on tue Diego. C'est compris? Si tu m'apportes ton aide, et si tu m'aides à mettre la main sur la fortune de ta grand-mère, alors je te promets que je te servirai Lily Cruz et Diego sur un plateau d'argent. Lily Cruz a kidnappé ma femme et ma fille. Et deux membres de ma famille ont été tués à cause de cette femme. Ma fille, Emilia, n'a pas tué son mari, Raoul. C'est Lily Cruz. Lily Cruz qui a assassiné Raoul et Elena. Elena est morte en essayant de sauver notre fille Emilia. Elle est morte en héros. C'est Lily Cruz. Le véritable dragon rouge. C'est elle la vraie criminelle. Et je jure, au nom de ma bien-aimée Elena, Elena, si tu m'écoutes, je te fais la promesse. Que je n'arrêterai pas de me battre pour toi jusqu'à ce que j'aie arrêté et fait enfermer cette criminelle, Lily Cruz. Gouverneur, qu'avez-vous à répondre contre l'accusation de Jaguar, disant que vous étiez membre du syndicat du Dragon Rouge et que vous auriez kidnappé Lily Cruz et sa mère? Ce sont des mensonges. Et puis on verra bien qui les gens décideront de croire à la fin, hein? On verra bien. Un horrible criminel comme ce Damien ou leur cher gouverneur Roulion. Le gouverneur Ardiente recommence à nous mentir ouvertement. Hé hey, ne dis pas du mal de la famille Ardiente. Pourquoi? Je dis la vérité. Et si quelqu'un t'entend alors? Il pourrait te kidnapper. Tu veux finir comme Lily Cruz? Monsieur Damien, monsieur Damien, un commentaire. Qu'avez-vous à dire, s'il vous plaît? Monsieur Damien, vous ne devez pas croire Julio Ardiente. Je suis le Jaguar. Et j'ai travaillé pour le Dragon Rouge. Et je sais ce qui s'est réellement passé. Alors, qui est le vrai Dragon Rouge? Est-ce Elena Montoya ou est-ce Lily Cruz? C'est Elena Montoya qui est le vrai dragon. C'est elle qui contrôlait les syndicats et communiquait avec la triade. Et elle travaillait aussi avec les Ardiente. Ce sont eux qui ont kidnappé Lily et Camilla Cruz. Damien Cruz, pourquoi avez-vous soudainement décidé de vous rendre?
Je me suis rendu parce que je ne veux pas que les gens que j'aime soient blessés. Ils m'ont donné la chance de repartir à zéro. Et je ne veux pas les décevoir. Je veux reprendre ma vie en main pour être digne de l'amour qu'ils m'ont offert et du soutien qu'ils m'ont apporté jusqu'à aujourd'hui. Elena est morte en essayant de sauver notre fille Emilia. Elle est morte en héros. C'est Lily Cruz, le vrai dragon rouge. C'est elle la vraie criminelle. Elena, si tu m'écoutes, je te fais la promesse que je ne cesserai de me battre pour toi jusqu'à ce que j'aie arrêté et fait enfermer cette criminelle, Lily Cruz. Lily. Maman. Écoute, je viens juste de découvrir que Julio a fait enfermer Emilia dans un hôpital psychiatrique. C'est exactement l'endroit où elle devrait être. Et ça ne me surprend pas, maman. Parce qu'ils sont tous complètement fous dans cette famille, d'ailleurs. Et ça explique pourquoi Emilia n'était pas à la conférence. Mais tu te rends compte que Julio a pu faire ça à sa propre fille? Vraiment, tu es surprise? J'en attendais pas moins. Parce que la famille ne compte absolument pas pour les Ardiente. Ce que je crois, que c'est Julio qui a quelque chose à voir avec la mort d'Elena. Ce qu'il faudrait découvrir, c'est qui a bien pu l'aider pour ça. Et pour reprendre les rênes également et prendre la place du Dragon Rouge dans son syndicat. Plaisir. Ma Lily Cruz. Choisis celui que tu veux. Libère-moi celui-là, tout de suite. Celui-là? Non, parle-moi, dis-le-moi. Hein? T'en veux encore? T'en veux encore? Allez, dis-moi, vas-y. Espèce réponds de ouais, ouais. Ça jamais. Non, je ne t'aimerai jamais. Tu non, mens. Je ne t'aime pas. Ah. 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 Non, ne t'approche pas de moi. Arnaldo! Le vrai Arnaldo est de retour. Et c'est lui qui aide Julio. Diego. Diego. Quand est-ce que tout ça va finir? J'ai vraiment cru qu'Arnaldo avait changé cette fois. J'ai plus rien.
Il ne me reste plus rien. Ils m'ont déjà tout pris. Ils m'ont privé de toute ma famille. Et moi ? Et moi ? Je suis là, moi, pour toi. On est une famille maintenant. On est tous là pour toi. Ne l'oublie pas, Diego. Lily, viens avec moi, d'accord ? On va partir loin d'ici et on partira très très loin. On peut enfin réaliser nos rêves maintenant. Je veux devenir un mari et un père. Je veux qu'on soit ensemble et qu'on vive enfin en paix. Qu'on soit heureux et qu'on forme une famille. Lily, c'est notre chance d'être enfin heureux, alors on doit la saisir. Eh bien, la maison n'a pas changé. Ça n'a pas changé du tout. Exactement comme on l'a laissé. Tu sens ? Ça, c'est l'odeur du pouvoir. Eh ben, c'est bon d'être à la maison. C'est justement dans cette maison que j'ai planifié ton avenir. C'est ici que je t'ai forgé à être un meneur. Alors, cela me paraît logique. Que ce soit ici que la famille Ardiente recommence son histoire à zéro. Et dans peu de temps, on régnera sur cette ville exactement comme avant. Si c'est le cas, tu ferais bien d'y aller. J'ai rendez-vous avec Lily. Je dois découvrir si nos chers ennemis sont encore en train de préparer quelque chose contre toi en ce moment. Ce que tu veux dire, c'est que tu sais où se trouve la nouvelle maison de Lily Crow. Ouais, et c'était pas compliqué à trouver. Tu sais, je ne crois pas qu'ils se cachent vraiment. Je crois qu'ils ont accepté le fait qu'ils ne réussiront jamais vraiment à nous échapper. Peut-être qu'ils ne font que fuir les mauvais souvenirs qu'on a créés dans leur maison. Ils en font sûrement des cauchemars. Dans ce cas, je crois qu'il est peut-être temps de les tourmenter avec de nouveaux souvenirs, n'est-ce pas ? Ok. Mais surtout, fais bien attention à toi, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, c'est clair. Je ne peux pas me permettre qu'il t'arrive quelque chose de grave, en fait. Tu comprends ? Longue vie, Ardiente. Longue vie, Ardiente. S'il vous plaît, chargez tous les bagages dans le coffre, d'accord ?
Très bien, vous êtes prêts? On doit partir avant que quelqu'un ne nous voie. On y va. Camilla, où est-ce qu'on va déjà? On va à la chapelle Sainte-Monica, c'est à Rosario. Mais Lily a ordonné que personne ne soit au courant du lieu où on se rend, c'est très important. Mais pourquoi? J'en ai aucune idée. Allez, on y va. Ok. D'accord, on y va. Tiens, bonjour, vous. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez?